Yop tout le monde, c'est Neverorigine et on se retrouve pour le 6ème épisode de vos chaînes soumises à l'honneur. Donc tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous poser une petite question. C'est est-ce que vous aimeriez que je fasse une série où c'est pourquoi vos chaînes ne sont pas passées? Ou enfin le titre n'a pas vraiment d'importance, c'est plutôt le concept pour parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi ils passent pas et c'est pas parce que des fois je réponds qu'il y a trop de participants que j'ai pas le temps, mais des fois c'est leurs chaînes qui vont pas. Et donc j'aimerais savoir si vous voulez que je fasse ça, comme ça je donnerai des conseils sans, c'est pas vraiment pour faire de la pub, il y aura le lien de la chaîne pour, comme ça vous pourrez aussi leur donner des conseils, mais bah, c'est pas pour faire de la pub, c'est plus pour leur donner des conseils, les aider. Enfin bref, passons directement aux présentations des trois chaînes. Donc la première c'est Todd's Funtage et Délire, donc logo manière plutôt cool. C'est ensemble, je pense que c'est son logo, là c'est plus stylé, c'est ensemble. Voilà, avec un délire orange noir, j'aime bien. À propos, t'en as rien à foutre de ta vie, ça tombe bien, moi non plus, allez viens, on est bien. En bref, je fais des fente sur différents jeux, le plus souvent en face commentary et surtout j'aime le pâté de campagne, moi aussi. Allez, cliquez mes bûches. En passant, il y a écrit membre depuis le 3 décembre 2014, mais j'ai commencé les vidéos le 9 décembre 2015. Ok, bah ça fait plaisir de l'apprendre. Et au niveau des vidéos, bah voilà, on peut Funtage Black Ops 2, donc j'ai déjà regardé. Petite intro un petit peu cool. Moi c'est du Black Ops 2, c'est un peu vieux. Après voilà, c'est le montage, donc c'est plutôt travaillé, j'ai regardé, c'est pas mal. On peut voir le monsieur là. Voilà. Donc bref, on va directement passer à la deuxième chaîne, donc c'est Studio Domino. C'est une chaîne qui a commencé depuis pas très longtemps, donc un mois. Avec une bannière, un logo assez stylé avec domino, ça, avec le nom domino, voilà, domino avec des ailes, genre c'est un domino angélique. Enfin, on voit que les gens consomment massivement de la drogue, mais c'est pas grave, hein. Bon, donc là à propos, le studio domino c'est bien, en plus c'est drôle et fun, donc abonne toi ouais, ça va tranquille les gars, parce qu'ils sont deux, je sais pas si je suis ici. Bref, donc ça va tranquille, hein, ça pète pas trop, non. Bon, donc pour l'instant j'en fais 4 vidéos, donc il y a un mois, 3 semaines, 4 jours, donc ils en ont sorti une récemment. Sinon ils sont pas très actifs, mais en même temps j'ai regardé les vidéos, là j'ai regardé celle-là. C'est vrai que les vidéos sont pas mal travaillées, voilà, par exemple, petite introduction, beau gosse, petite musique, et voilà, petit montage, et donc c'est assez travaillé, c'est plutôt pas mal, c'est assez drôle, et assez cool quand c'est drôle. Là c'est ça l'intérêt, c'est de planter des chaînes bien. Hein, bon, ok. Après on passe à la troisième et dernière chaîne, le Fugitif 9-1. Donc bannière et logo assez stylé, avec une petite écriture pas mal, avec pas mal de jeux, j'arrive pas à reconnaître. Je vais peut-être me faire insulter, ça me fait penser à Skullbang, mais je sais pas, ça c'est Naruto, ça je ne reconnais pas, Far Cry, Assassin's Creed. En plus il y a certains, je pense que c'est des jeux PS4, et bon, alors là je reconnais Dark Vador, là ça va être Counter-Strike. Je ne sais pas et je ne sais pas. Alors on voit donc que ça montre que c'est assez diversifié, comme on peut voir là dans les trucs. Donc là, Uncharted, Nathan, Collection Drake, Rainbow Six, j'ai regardé, c'est pas mal. C'est montage de qui, c'est pas mal travaillé. Voilà, petite intro, toujours beau gosse, petite intro très important. Voilà, avec une petite musique. Et c'est des montages de kills, quoi. Et voilà. Non mais enfin bon. C'est un peu constateur quand on lit le titre Chain Kill. On voit bien pourquoi c'est en anglais, mais c'est pas grave. Donc on va lire la propos. Salut tout le monde, c'est le Fugitif 9-1. Bienvenue sur ma chaîne de gaming où je vous présenterai ma passion pour les jeux vidéo. Je vous ferai des vidéos sur des let's play, des Chain Kill ou d'autres choses encore sur tous les nouveaux jeux qui sortiront. Prochain jeu, Uncharted 4, Far Cry 4, Rainbow Six Siege en multi, Mirror Edge, Catalyst. Ou encore le prochain Naruto Ultimate Ninja Storm 4 et bien d'autres qui viendront par la suite. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage à tous. Oh, c'est un propos qui est pas mal, j'aime bien la propos, donc c'est plutôt stylé. Voilà. Et sur ce, je pense qu'on a fini. Juste regarder un peu le rythme. Donc on voit que c'est une chaîne assez active. 17h, 4 jours, 6 jours, une semaine. Voilà, donc c'est une chaîne assez active qui commence un peu, ouais, qui a pas mal de vidéos. On voit qui finit ses let's play en plus là. Il a fini donc Assassin's Creed Syndicate. Donc c'est plutôt pas mal. Et qui finit ses let's play.
Et donc salut tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si elle vous a plu, déjà la chose la plus importante c'est aller vous abonner aux chaînes que je présente. Parce que déjà moi je suis abonné parce que c'est, je trouve c'est le minimum. C'est-à-dire que si je présente une chaîne, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que je l'estime un minimum. Donc c'est normal que je sois abonné pour regarder les vidéos qui sortent. Parce que ça serait assez bête de présenter des chaînes sur lesquelles je ne suis pas abonné, donc que je ne sors pas. Mais vous, bon voici, si le contenu vous plaît, là par exemple du Rainbow Six Siege, de l'Uncharted, donc principalement PS4, ça vous plaît, bah, allez vous abonner pour soutenir les personnes. Et voilà, ça leur fera plaisir. Puis c'est le but, hein. Donc moi je vous laisse, je vous fais des bisous bien évidemment, parce que si je vous fais pas de bisous, ça va pas. Et salut!